La Corse est vraiment une île de montagnes escarpées. Elle qui s'est détachée des Alpes il y a des millions d'années, avant de dériver au milieu de la mer. Elle que des convulsions tectoniques ont écrasée, plissée, redressée, puis propulsée à la verticale, au-dessus des flots, très haut, jusque dans les nuages. Vue du ciel, la Corse n'est qu'empilement de barres rocheuses, de falaises abruptes qui émergent ci et là, au-dessus des arbres, de roches effilées comme des menhirs, de massifs pointus, dressés comme des pyramides. Au pied de ces colosses de pierre, des forêts luxuriantes de pins lariches s'étendent à perte de vue, denses, touffues, impénétrables. Elles sont le poumon de l'île, sa réserve d'oxygène. Elles sont le cœur et les entrailles de la Corse, sa réserve de vie et de nourriture. Mais elles sont aussi l'esprit de l'île, là où se concentrent les mythes et les légendes. Toute la forêt. Hein? Terrible, hein? Ils ont des formes différentes. Il y en a qui est trapu, gros, les autres plus fins, plus élancés. Ils sont magnifiques. Hein? Ils sont tout gris. Pas enfin, les troncs. Hein? La maritime, il est plutôt rouge, non? Avec des écailles plus grosses. Plus prononcées, ouais. Il est rougeâtre, alors que le palariche, lui, il est bien gris, lisse. Hein? Puis si tu remarques, il a une particularité, hein, cet arbre. C'est-à-dire que quand il va grandir, il va perdre les branches au fur et à mesure. Tu vois, là, tu vois, c'est pour ça qu'on a des troncs hyper longs, hein, et qui étaient convoités et utilisés de tout temps. Le lariche, on l'a toujours utilisé. On l'a utilisé dans un premier temps pour les mâtures des bateaux, tu vois, les mâts. Enfin, on en faisait aussi même des bateaux. On l'utilisait pour faire les traverses de chemin de fer, pour faire des meubles. Tu sais que les meubles, les meubles de Palariche, quand tu prends le cœur du meuble, tu peux dire que... Ça ne bouge plus. Te durera une vie des siècles, des générations et des générations. Tu peux attaquer à fabriquer une belle oudaouli, tes archi-petits-enfants. Tes petits-petits-filles, voilà, ils auront toujours à la table. Coupé à la bonne lune, il va tenir des siècles. C'est pour ça que les forêts de Corse ont été si exploitées voilà, durant les 18e et 19e siècles. Hein. Ouais, jusqu'au début du 20e. Ouais, aujourd'hui, c'est de moins en moins exploité. Enfin, ils sont, au début, c'était vraiment la production de pin à lariche. Et maintenant, c'est plus une forêt où on va avoir une biodiversité, on va travailler différemment que les derniers siècles. Ouais. Il y a aussi de belles petites pommes de pin, des cônes radiées un peu partout. Et moi, je les prends à Noël, je les ramasse et après, je les peins couleur or. Les décorations. Ouais. Alors tu sais que bon, on utilisait le bois bien entendu, mais on utilisait aussi souvent les pins. Dans certaines régions, les régions où on n'avait pas beaucoup d'alimentation, pauvres en châtaigneraie, on prenait les pommes de pin comme ça, vertes dans les arbres, et on les faisait sécher, comme à la façon en châtaigne, sur des séchoirs. Et après, la pomme de pin, bon, elle est verte, elle va sécher, et les petits pignoutes ils vont se libérer. Ah oui, après, très petit. Ouais, en l'utilisant en alimentation. Et tu vois, celle-ci, elle est petite, alors que celle... La pomme de pin du pin maritime, bouf. C'est clair. Ouais. Par contre, le pin lariche va pousser à de très hautes altitudes. Ici, on est à 1300 mètres. Et on en a tout autour de nous. Alors que le pin maritime, il va s'arrêter aux alentours de 700, 800 mètres. Des fois, on le trouve juste un peu plus haut, mais très rare. Donc, des fois, on trouve les deux en même temps. Ouais, c'est ça. Ouais. Rare. On a des forêts, on a les deux en cohabitation. Ouais, elles sont magnifiques. L'arbre, on va dire, caractéristique de notre île, le plus aimé, c'est emblématique. Sombre. Elles sont sombres quand même, ces forêts. Ouais, c'est des forêts ténébreuses, assez magiques.
Magrifage. Viens, aiguille. Pourquoi? Là, tu passes sous la queue du diable. Oh. Ah, là, je suis à gauche. Comme ça, ça annule le mauvais sort. Oh. Et tic, tic, ta, aux Athanas. Je ne te savais pas si superstitieux, hein. Quoi? Ah. Ça va, maintenant? Ouais, bien. Là, fais attention, les pierres, elles tiennent pas. Pural, ça, hein, passe n'importe où, hein, ça, là. Tu sais que ça doit être l'œuvre du diable. Quand il a labouré les rochers, il a tout fendu et il a tout laissé sur place. Le diable, arrête un peu, le diable, il guise, voilà. C'est bon, hein. Cette histoire de diable, basta. Regarde-moi ça par où on passe. Les roches. Tu vois? Ça, c'était à toi. Toutes ces caillasses de partout. Eh ouais. Les forêts sombres et denses du centre de l'île sont des lieux oppressants, des mondes inquiétants peuplés d'histoires improbables qui font écho au bruissement des feuilles, au craquement des branches. C'est un univers habité d'étranges créatures que l'on entend, que l'on devine, que l'on ne voit jamais. Dans la pénombre des frondaisons, mille créatures invisibles se dissimulent. Bon, regarde-moi ça, l'engin. Le patriarche, le chef du clan de la forêt. Il n'a pas perdu toutes ses branches, celui-là. Ouais, mais il les a laissées pour les enfants. Tu sais, parce que quand on est petit, on monte jusqu'en haut. Moi, je montais. Et là-haut, j'arrivais à la cime, je me faisais une cabane. Et j'observais toute la forêt. Aujourd'hui, je ne peux plus monter. Pourquoi? Parce que si je monte, les branches se cassent, elles ne tiennent plus. Moi, je vais aller chercher le chemin parce qu'on s'est un peu écarté. J'aime pas trop être perdu dans ces bois sombres, moi. Ça, c'était l'arbre de Tom, Tom Sawyer et Huck. Et puis le papa de Huck, il était méchant, c'était Joe l'Indien. Il avait peur. Ouais, Karine. Dans 10 minutes, je nous considère perdus. Hein. Paul, viens, viens. Toujours eu de la vie dans ces forêts, il y avait plein de lutins, des fées, ouais. Des trolls, des bêtes obscures. Ils sont assez mystiques, hein. C'est vrai. Ah, la fourche du diable. Ah, comme elle est grosse. T'es, Zatanas. Énorme, on dirait un spé du géant. Il va nous prendre, il va nous embrouquer. Et après, il va nous tourner à la broche, comme ça, sur la braise, comme on tourne un figadillo. Et après, il prendra le pain, il va nous aplatir, comme ça. Ah. Ah, étrange forme, la fourche du diable, c'est étrange ces armes. Étrange, hein. Il y en a même des tout pourris, regarde celui-là. Ouais. Tout pourri, il devait être énorme. Il est tout...
tout mangé par les bêtes. Ouais, les bêtes rouges à cornes, c'est les filles du diable. Tu fais que parler de bêtes, de Satan, de cornes. Il y a beaucoup de gens qui rapportent des histoires sur le diable. Hein. Il était présent d'ailleurs dans la région, tu sais. Ouais. Les gens de Boigne qui racontent qu'un jour, ils l'ont vu arriver. Il était monté sur sa belle jument et il était à la recherche d'âmes païennes. Ouais. Et un soir, il est tombé sur Ours, qui était berger. Et il s'est transformé, en fait, pour passer un peu inaperçu. Il a pris l'apparence d'un cavalier. Et Ours, qui était très gentil, lui proposa en fait de partager le repas avec lui. Il avait amené quelques châtaignes et du fromage. Le cavalier accepta. Et donc plus tard, alors que Ours était en train de préparer leur dîner, la jument s'approcha de Ours et lui glissa à l'oreille « Je suis Bianca, de Gouagne comme toi, une fille bien folle de son vivant, mais qui a été punie pour ses péchés et condamnée pour l'éternité à servir de monture à Satan. » À gauche. Et après, elle lui dit « Méfie-toi de ce cavalier, car il est le diable. Et surtout, n'oublie pas de te signer avant de partager ta nourriture avec lui. Oh. » Et sur ce, le cavalier s'approcha et la jument s'éloigna, l'air de rien. Donc un peu plus tard, Ours appela le cavalier pour venir manger. Hein. Et il tremblait comme une feuille. Hein. Il se signa plusieurs fois devant lui. Et le diable comprit que la jument l'avait trahi. Il rentra dans une colère folle et en hurlant, il prit sa jument, monta dessus et lui déchira les flancs de ses éperons et partit pour une course folle à travers la forêt et la montagne. Et on dit d'ailleurs que la montagne garde toujours les stigmates de cette terrible et sanglante chevauchée qui découpa les arbres et entailla la roche sur le passage. Et Ours, en tout ça ? Ours a été épargné grâce au signe de croix, hein. Mais on dit que le diable est revenu plus tard hanter la région. Mais on dit aussi que parfois, les arbres bougent la nuit. Ce sont les arbres de Dieu. Ils se déplacent, sont des nomades. Ils vont de forêt en forêt, de montagne en montagne. À une certaine heure, d'ailleurs, on va regarder un petit peu, on va observer la nature. Ça me rassure, à moi. Je vois rien qui bouge. Le diable est en effet revenu hanter la région. Et l'on raconte toujours dans les villages voisins les soirs de veillée, les combats qu'il opposèrent aux hommes au plus profond de cette ténébreuse forêt. Nos deux jeunes aventuriers ne savent pas encore que le chemin tumultueux qu'ils ont emprunté débouche sur un abîme noir et profond, une sombre trouée à flanc de montagne, à la quiétude presque surnaturelle. L'endroit semble pourtant charmant, enchanteur et même bucolique. Mais d'étranges histoires hantent les lieux, des histoires si noires que les habitants de la région évitent l'endroit et surnomment cette étendue d'eau le lac du diable. Oh, comme il est beau ce lac! Ouais, on est bien là. Ou là, ou des Créneaux. Grandiose. Et tu sais que le lac de Créneaux, il est particulier, puisqu'il est unique. C'est le seul en Corse à être entouré de bois. Alors, regarde, tous ces grands arbres, ces palariches qui sont sur les berges. On dirait qu'ils vont rentrer à l'intérieur du lac. C'est beau. C'est pour ça qu'il est si foncé, parce qu'il est aussi près comme ça des arbres. Je crois qu'il est entouré. Et d'ailleurs, il y a un certain monseigneur Justinian, c'était un évêque de la région, hein, qui venait en visite apostolique, enfin, il faisait l'inventaire de toutes les chapelles romanes qui se trouvaient un peu partout dans la montagne. Il évoquait ce lieu, hein, cette forêt de Crène, comme un endroit ténébreux de par l'épaisseur des arbres, tu vois. Et c'était dans un endroit si particulier qu'il y avait une atmosphère envoûtante. Il n'y a pas tort. Et en plus, il y a des beaux nénuphars, regarde. Ils sont magnifiques, hein. Avec ces grosses feuilles larges, des couleurs, des blancs. Ouais, c'est très beau, les murs. Ouais.
dialogue magnifique. C'est tellement paisible, hein? Ouais. Moi, je suis bien ici, hein. Vous êtes quand même tellement sombre. Il est vraiment, vraiment noir, hein, ce lac. Les belles sphènes. On dirait des grosses éponges. La bubble éponge. Qu'est-ce que c'est? Des sphènes, regarde. Elles sont belles. Une sorte de mousse, tu vois, avec des gros filaments. Tu vois, ça fait des grosses moumoutes. Et elles se trouvent un peu partout, tout autour du lac. Et tu en as un peu partout sur les autres lacs, hein, de montagne, et souvent près des rivières, tu vois. Sur les potines. Eh bien, regarde, elles sont belles, hein. Et ça, c'est vraiment des absorbeurs d'humidité. Et on utilisait aussi les sphènes pour faire les serviettes hygiéniques. Mais ouais. Ou des moumoutes, tu sais. On les découpait, on se mettait sur. Ouais. C'est belle, hein? C'est beau ce dégradé de verre. Très joli, l'Espagne. Il est sombre, il est bien ténébreux ce lac, hein? Comme moi, un beau brun ténébreux. Tu vas me dire que c'est la dernière glaciation qui a creusé ce lac? Eh bien, ouais. C'est, en fait, tous les lacs de Corse sont des reliquats d'anciens glaciers. On voit bien d'ici, hein, le lac vraiment posé au creux de la cuvette, ça remonte comme ça de tous les côtés. Ouais, et bien tu le vois bien, le relief, hein, le montre bien, comme tu le dis. Tu sais qu'ici, il y a des millions d'années, il y avait un glacier énorme. Hein, et le glacier, avec son poids, il a creusé cette cuvette. Et ensuite, quand il a fondu, le lac est apparu. Et c'était il y a à peu près 14 000 ans, hein, comme se sont formés tous les lacs en Corse, qu'on va retrouver un peu partout dans nos montagnes. Alors celui-ci, il n'est pas très profond aujourd'hui, il est à peu près, on dira 6 mètres, 6,50 mètres maximum. Il est tout petit, il fait 2 hectares et demi. Mais moi, je connais d'autres histoires concernant la genèse de ce lac. Des histoires qui reprennent un peu l'impression d'effroi dont parlait Monseigneur Giustiniani. Parce que figure-toi que le diable a habité ici jadis. Dans la forêt? Ouais. Il est revenu en fait hanter les habitants de la région et il a établi son campement ici. Enfin, plutôt dans le lac, hein. Ouais. Donc c'est lui qui l'aurait creusé en une nuit, avec son marteau. Il a creusé très profond, jusqu'aux gouffres infernaux qui rejoignent les enfers. Et puis, il aurait tout recouvert de ce paisible lac. Donc, caché par les eaux, bah, il pouvait aller et venir pour commettre ses méfaits, et puis revenir se planquer. Être maligne. Ni vu ni connu. Mais les habitants de la région ont découvert qu'en fait le lac était maléfique. Ils ont fait appel à un exorciste très connu de l'époque, hein, qui est monté sur les berges du lac, accompagné d'un berger très croyant. Donc les deux hommes, alors qu'ils étaient agenouillés sur les berges en train d'entamer leur prière, il y a des moutons blancs, de magnifiques moutons blancs qui sont sortis de l'eau et qui sont venus paître autour du berger, qui resta impassible à la tentation. Quelques jours plus tard, ils étaient toujours là, hein, on vit apparaître deux coffres sur un rocher au-dessus du lac. Alors, il y avait un coffre qui était rempli de pièces d'or et l'autre coffre était rempli de diamants et de pierres précieuses. Les deux coffres, ils oscillaient dangereusement, ils pouvaient tomber à tout moment dans l'eau. Mais les deux hommes restèrent impassibles parce qu'ils savaient que c'était une tentation démoniaque. Et puis d'un coup, les eaux du lac ont disparu et on a vu Satan sortir comme ça avec les ailes encore engluées de vase. Le spectacle était terrifiant, hein. Le berger, il était... Il n'arrêtait pas de dire « Jésus-Marie, Jésus-Marie, Jésus-Marie ». Et puis d'un coup, plus rien. Ouais, c'était le signe de croix, voilà. C'est signé. Tout était redevenu comme avant. Le diable était parti. C'est une belle histoire, hein, moi. Même bien gênante. Ça fait un peu froid dans le dos. Ouais. Moi, là, je ne me baignerai pas. Hein. Ouais, et puis la couleur. Mais bon, à côté de ça, on a une lumière magnifique. Et puis, regarde. C'est nénuphar avec ses grosses fleurs. Ça adoucit quand même. Ouais. Elle s'ouvre la journée au soleil et hop, la nuit se referme. Elles sont belles, hein? C'est magnifique. Mais bon, normalement, elles n'ont rien à faire ici puisqu'elles ont été introduites, figure-toi. Comme d'autres plantes en Corse, hein. À peu près il y a une vingtaine d'années. Alors ici, on a introduit des plantes, les nénuphars. On a introduit aussi les animaux parce qu'on a introduit les chèvres, les cochons, les brebis. Bon, tout ça, c'était il y a très longtemps, au néolithique. Hein. Mais aujourd'hui, on peut dire que les nénuphars font partie
de la flore de ce beau lac. En tout cas, de la jolie carte postale qu'on a devant nous. Hein. Ouais. Alors, on dit qu'il y a des populations, jadis, qui fabriquaient un puissant hallucinogène, une sorte de LSD, oui, en concassant des graines de certains de ces nénuphars. Dans la région, ici, écroudi. Paraît-il. Et après, Lobo. Tu vois, avec la fleur de nénuphar, d'où il chème, les montagnes. Et remarque, bon, ça doit être une fabrication assez difficile à réaliser. Mais ils sont trop beaux. Je les aime bien, moi. Tu as raison. Tu sais quoi? Moi, je vais aller chercher des trucs pour les couper. Ah, c'est une bonne idée, hein. Moi aussi, allez. Auditone. Ça fait quel effet? J'entends des voix. C'est sûr que tu entends des voix, il y a plein de monde tout autour. J'adore la nature. Oh, et tu sais, à l'époque, il y a tout le monde qui fumait, les anciens, hein, mon grand-père qui fumait, mon grand-père, même mon père. Et aussi Pascal et Paoli qui fumaient pendant les consultes. Ça, le lotus, comme ça? Non, pas le lotus, il fumait nicotina rouge, tu vois. C'était herba d'awak, le tabaco. Je t'explique même pas. On est tout fumant, boum, balisé. Moi, j'en ai fumé quand j'étais petit, mais je me suis fait tout goncha. On gaka venu de papa, dans ton goût. Tu te voles. Faut tout te casser. Paul, ça fait rien du tout, elle doit être cassée, hein. Un autre vis. Qu'est-ce que c'est un vrai bonbon course? Pourquoi tu dis ça? Parce que, tu sais, les grand-mères disaient dans les villages, t'es un mauvais tête, mange avec les pieds au bonbon dans la main. Je te dis ça, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, celui qui a créé le bonbon, Haribo, il est moitié corse, moitié allemand. C'est dans ma voix. Antonto, Riolace, di buona manace, ogni volta che fai arrivo. C'è bene, hein? Ouais. Je te crois. Mi racconto vite in paese. Regarde, ça, le crocodile, il est beau vert. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais faire la réintroduction du crocodile au lac du Crème. Tu vois, la dénonde, hein? Il va ramper. Après, il faut lui mettre une femelle. Tiens, une femelle bien piquante. Salut, toi. On se reproduit dans le lac. Allez, on y va. Allez, on dé... Non, non, je vais te manger, pas pour l'eau. Moi, je me demande. Hein. Voilà. C'est tout. Dobo. En sotto. Arrivo. Je savais pas que c'était corse. Le lac n'est peut-être plus hanté par le diable, grâce au courage de l'exorciste et du berger très pieux. Mais il est toujours un lieu de tentation, avec ses beaux nénuphars qui trônent en son centre, ses berges paisibles tapissées de mousse et ses jolis petits cochons. Oui, les cochons. Ils sont peut-être sortis des eaux à l'insu de nos randonneurs.